On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère d'abord que vous allez bien, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'on a gâté les examens, ça va, ou les traitements. On espère bien. Alors, aujourd'hui, j'ai une vidéo théorique. Ça, on va faire comme théorique, c'est-à-dire, on va faire comme la fiche, on va comme la fiche, qui fait je on va dire comme vidéo en classe l'activité. C'est quoi cette activité? Hadi l'activité, tu peux aller faire les commentaires qui ont été les vidéos de la journée pédagogique. L'activité est la lecture systématique. Lecture systématique, soit pour les 4e AP ou là, les 5e AP, c'est la même chose. Nous avons dit que nous avons bon, la plupart regardent les goulous, les arabes. Alors, la lecture systématique. Aujourd'hui, les objectifs d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage, il y a l'apprenant doit être capable d'établir la correspondance graphique phonique régulière et irrégulière et irrégulière dans les mots. Hadi, hada le premier objectif. Le deuxième, réaliser une bonne prononciation, c'est-à-dire l'articulation. Et consolidation du système graphique de la langue. C'est pour les objectifs. Parce que la plupart des enseignants, mais il faut que je les objectifs et tout ça. Alors, les objectifs de cette activité, c'est de Roma. Bon, je vais vous montrer un document. Comme on a partagé, comme la vidéo, la fiche, alors, maintenant, le document là, il s'appelle comme Colchet. Je vais essayer de le prendre en photo. Voilà, on va lire. On a les objectifs d'apprentissage. On a le déroulement. Les moments où je suis, comme vous pouvez voir, les moments, maintenant. Les prérequis, d'ailleurs, fait une activité, il laisse maintenant les prérequis. Maintenant, on ne se bouge qu'en moment, les prérequis, mais on ne se bouge qu'en moment. Le premier moment, la mise en situation. Deuxième moment, l'observation méthodique. Troisième moment, c'est la lecture. Quatrième moment, c'est le réinvestissement et évaluation. Hadhoum, les quatre moments de l'activité. Comme moment par moment. Alors, le premier, le prérequis, c'est quoi le prérequis? Gonna, les prérequis. Demander aux élèves de lire des mots de la séance précédente. C'est-à-dire, déjà, des activités de lecture systématique. C'est la première activité. Vous allez lire des mots contenant un son précis. Vous allez demander aux élèves quel est le son qui se répète dans ces mots-là. C'est la plus facile. Et d'abord, déjà, des sons précédents. Et dans ma couche de tout, vous allez lire des mots, dire plutôt des mots, oralement, parce que c'est la phonétique, oralement, vous allez demander aux élèves quel est le son que vous entendez, qui se répète à chaque fois, et vous allez porter le son sur le tableau, le prérequis. Ensuite, le premier moment, mise en situation. Comme il y a soit texte écrit, ou là, même la façon de vous le dire, comme il y a des mots, maintenant déjà, vous allez extraire un son. D'accord? Vous allez extraire un son. Déjà, un texte, un petit texte, ou là, un groupe de mots, là, comme vous voulez. Faire observer la liste des mots, là, le texte de la leçon du jour, suivi par une question, c'est-à-dire, l'observation soit guidée. Mettre chaque observation à l'aide, parce que la lecture doit être toujours guidée par une question de contrôle. Lecture magistrale suivie par des questions viser la compréhension à le texte avec ou les phrases les quel est le son qui se répète? Hein, son là? Où je compte comme là? Et déjà des sons belles, c'est-à-dire à dire le prérequis parce que déjà un prérequis. Et des sons directement
في لو مومون الاول انكم ديروا ديمو ولا تبداو بديمو من بعد تروحوا ان تيكست ولا تخدموا بديمو وخلاص هذوك هما اللي تخدموا بهم كون فو فولي. مع الوقت اللي عندنا حنا ما نكثروش ياسر لي زيتاب اون بو بغيلي كلكو زيتاب ماشي مشكله نقدروا نستغناو على البري روكي نبداو ديريكت بلي مو ولا بان تيكست ميم تيكست نقولوا ان بو لون بور دي زيلاب نديروا ديمو وشي لازم الفو بيان يعني الفو كو ليلاب كومبخان هذوك لي مو ماشي تمدوهم دي مو الاولاد ما فاهمين والو تقدر ديروا هذوك لي مو اكومباني دو لوستراسيون par exemple je vais dire par exemple je vais dire le son e par exemple je vais dire école نوريهم école avec illustration باش تعود شويه موتيفاسيون عند الاولاد باسكو الاولاد دائما كيعود لا لو تعود لا لو سون ريجيد مي فيها والو يكره بس كيعود كاين هكا داتاشو ولا كاين دي illustration كاينه حركه تعجبهم. دوزيام مومون عندنا مومون دوبسيرفاسيون ميثوديك هنا ايدونتيفيي لي تاش دو سيت اكتيفيتي جو ديكوفر جوليا او تو فوا هنا il va lire les mots ou il va extraire le cas de leçon utilisation des acquis du vocabulaire pour parler de l'image des hypothèses de sens c'est-à-dire هذوك les كما قلنا les illustrations ماشي نقولوش ما تعاودوش نفس لي مو c'est-à-dire رايحين نروحوا للمومون دوبسيرفاسيون زيدو نديروا دي مو اخرين هنا رايحين vous allez enrichir le vocabulaire تاع les élèves استعملنا في لو مومون دو ميز ان سيتوياسيون استعملت دي مو سامبل زيد ندير في لو مومون دوبسيرفاسيون دوطخ مو اللي فيهم هذاك لو سون c'est-à-dire في لو مومون دو ميز ان سيتوياسيون ليلاف تعرف على لو سون في لو مومون دوبسيرفاسيون ميثوديك هنا حتخلوا له هو يبدا يكتشف هذاك لو سون هذاك. Ensuite, on a l'identification au le moment هذا, identification du son du jour comme on l'a par exemple, on dira l'apprentissage ludique. Par exemple, on va t'aider le coloriage avec différentes couleurs, par exemple un mot, on dira نكتبوهم avec des cases, نقسموه avec des cases. On va je demande à l'élève de colorier le son du jour. C'est-à-dire هنا واش راح ندير مونتاج syllabique. En même temps, on peut faire la lecture systématique. Par exemple, on va dire comme un exemple. Comme vous pouvez voir ici, il y a deux mots. On a le mot école et on a le mot parler. Ici, on va travailler le E, le son E. Ici, c'est la phonétique. On a deux formes. Tu as le E, on a le E avec accent et on a le ER. Vous allez demander aux élèves de faire le découpage syllabique, combien de syllabes. Ensuite, ils vont colorier la syllabe où il y a le son E. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait le découpage syllabique. J'ai essayé de colorier le son où il y a, la syllabe où il y a le son E, le son du jour. هذه هو بو بو تقدروا ديروا شحال من كلمه تبدلوا ما ديروش هكا دي كاس تقدروا ديروا دي فلور ديروا دي غون وتعطوا الاولاد يبداو يطلعوا يكولوريو لو سون وين راهو وين راهي لا سيلاب اللي فيها لو سون دو جو هذه ليدونتيفيكاسيون دو سون. Ensuite, on peut demander aux élèves de vous donner d'autres mots qui contiennent le son du jour, c'est-à-dire l'enrichissement d'un tableau avec d'autres mots donnés par les apprenants. C'est-à-dire, vous allez classer un tableau, vous allez mettre les mots qui ont été donnés ou qui ont été donnés au découpage, vous allez mettre les élèves d'autres mots qui ont été le son du jour, on l'appelle ça la chasse aux mots. C'est la chasse aux mots. Ensuite, vous allez le moment de lecture. عندنا هنا لو مومون دو ليكتور ليكتور ماجيسترال ستادير لي مو دو تابلو ان كيستيون مع الاخر راحين نخرجوا بافاك ان تابلو كي كونتيان دي مو كي اون لو سون دو جو داكور نبدا نقراو لي مو دو تابلو لو تابلو ا بليزيور انتري ستادير عندو شحال من وحده ليكتور سيلونسيوز اون بعد باسكو رانا ما ننساوش رانا في لا ليكتور ليكتور اوراليزي ستادير لي مو دو تابلو à plusieurs, le tableau à plusieurs entrées, concours de lecture, c'est-à-dire le concours de lecture que l'on fait chez Bidiro, qui est le chronomètre, c'est-à-dire le test de l'ouverture, ce qu'on l'élève lire rapidement et correctement les mots, ou tu fais le mot, un petit concours, compétition entre les élèves. Quatrième moment, moment de
réinvestissement et évaluation travaille sur les cahiers d'activité. Un exercice, un travail, un exercice selon le son du jour qui maintenant adna le son. Voilà, selon le son du jour. Par exemple, qui ou les formes تاع الاي كامل واش هما تعودوا ديجا خرجتوهم قبل لي فورم تاع الاي كامل اي وتطلبوا من لي زيلاف يا اما تعطوهم دي مو يحو كلاسيهم في الطابلو سوا راح تخلو لهم لو شوا هما اللي يجيبوا لي مو ويكلاسيهم في لو طابلو. هذه هي ان غوسو مودو لا ليكتور سيستيماتيك افيك سي سيتي 4 مومون افيك لي زوبجيكتيف. دوكا راح نحط لكم ثاني جو في اكونباني هذه لا فيديو راح ندير لكم دي فوتو نتاع لافيش ولا هذه ديجا سي لافيش سي اون فيش فوالا هذه سي اون فيش دو لا ليكتور سيستيماتيك ولا اون اوتر موديل دو فيش كيما تحبوا ندير لكم هذه ولا لوطا ولا نحطهم لكم لي دو. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera à la remédiation. Mesdames, mettez des commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la remédiation ou non? C'est quoi la remédiation? Les types de remédiation et comment se déroule surtout la séance de remédiation? Raha kima goutul comme des séances théoriques. On va dire comme l'application avec mes élèves. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci et au revoir.